Salut, vendredi 4 septembre 2020, Véloroute Charles-Téméraire. Voilà, Corny-sur-Moselle, en roller évidemment. Bah, retour, c'est parti. Allez, direction Metz, la petite accélération qui va bien. Yepa! Wouhou! Allez! C'est bien, on a un petit soleil, le petit Dodane tranquille. Alors voilà, on arrive en fin d'été, mais bon, les conditions sont encore très bonnes, pas trop de feuilles encore. Donc là, on passe devant le skatepark de Corny, derrière le mur, voilà. Salut les skateurs! Alors au fond on entend le train qui sifflera pas trois fois, mais bon, le camping de Corny-sur-Moselle. Allez, alors un tout petit peu de vent de face, très léger, mais bon, on va pas se plaindre pour un début septembre. Alors patinage avec un petit dodane là qui arrive. Attention au dodane, le dodane. Hi-ha! Ouais, trop facile. Ah, ils sont tranquilles là au camping, hein. Il n'y a quasiment personne. Voilà. À la grosse pierre, on va essayer de l'éviter. Et voilà, super. On arrive sur la marina du camping de Corny. Ouais, c'est pas Saint-Tropez, mais bon. Et la petite buvette avec les frites qui vont bien. Là, on va passer une section un peu rugueuse. Voilà. Alors du coup, on va changer le cadrage. Ça croustille. Et c'est pas du Kellogg's. Ah, je suis trop drôle. Humour. Ça rappelle Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs avec Philippe Gildas, pour ceux qui connaissent. Respect. Et José Garcia aussi. Bisous si tu me regardes, on sait jamais. Voilà. Donc, fin de la partie rugueuse. Là, on est au niveau des étangs. On va passer une petite... Ouais, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe tout juste. Ouais, je rigole. Bon. Ah, je peux voir un rouminé. Ouais, c'est caché. Accélération. Yeeha. La Moselle sur votre gauche. Alors, on a l'impression qu'elle est... ouais, qu'il n'y a pas de vent. Mais en fait, frontalement, si, quand même, on le sent. Voilà. Ouh. Donc là, on est... Donc là, je suis parti de Corny-sur-Moselle. Alors, là, on... là, c'est la direction de Metz. Ouh. Et le fait d'avoir les roulements légèrement grippés, c'est vachement physique. Bon, attention au vélo, d'accord. Ouais. Ah ouais, dès que le soleil se cache derrière le Saint-Quentin, ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est bien, il n'y a pas trop de moustiques, il n'y a pas trop de branches ni de feuilles. Bon là, on arrive sur la partie béton.
Ah, piéton à midi. Eh ouais, ça sert à ça aussi. Voilà. Magnifique. Ouh, je suis obligé de pousser et j'avance pas, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais avec des roulements un peu grippés comme ça, c'est vraiment fatigant, fatigant. Ouh. En plus, avec le béton. Aïe. Bon, on va dire que c'est du sport. Allez. On va, voilà. Faut faire gaffe parce que de temps en temps, il y a des petites branches comme ça. Bon, les feuilles, quand elles sont sèches, ça va. Waouh. Alors, pour information, là, ça sent bien la vase. Hein. Waouh. Ouais. Non mais c'est dommage qu'ils aient fait ça en béton parce que le cadre est super hein. Voilà, il y a des endroits super sympas. Bah en vélo c'est pas gênant hein. Mais en roller on le sent vachement plus hein. Waouh. Bon, de toute façon on est bientôt arrivé sur l'aqueduc romain du 3e siècle. Eh ouais. Oh là là. Un ouvrage magnifique, hein. Bon, un peu en ruine, mais un truc quand même qui tient debout. Alors que ça fait quoi, ça fait 5000 ans qu'il est construit, quoi. Genre. Non, j'exagère. Mais quand même, quoi. Quasiment. Ouh. Non, voilà. Donc là, on a une petite vue sympa sur le départ du canal de Jouy aux Arches, là où on va arriver, et la bifurcation sur la Moselle. Bon, je sais pas si on va bien le voir à travers la végétation. Voilà, là, on voit super bien. Voilà. Donc, l'ancien canal, parce qu'il est plus utilisé, malheureusement. C'est dommage, hein. Un canal pour les plaisanciers qui est super, mais il n'y a plus que des péniches qui stationnent dessus et il n'y a plus de navigation fluviale dessus. Ouh. Allez. Wouhou. Alors il y a un truc qui est bien, c'est que au début il y avait les barrières là qu'on vient de passer, mais elles n'ont pas tenu longtemps quoi. C'était déjà super dangereux et puis complètement inutile d'ailleurs. Ça a créé plus d'accidents qu'autre chose. Donc finalement elles ont dégagé quoi. Ouh. Oh là là. Ah, voilà le soleil. Donc là on va passer sur les vestiges du chemin de halage. Voilà la petite pancarte. Voilà. Ah. C'est physique, c'est physique. Voilà, magnifique. Wouhou. Voilà, donc là, on arrive sur le chemin de halage, sur la gauche. On peut voir les pavés, enfin, les deviner sous le gazon. Voilà. Des endroits, on le voit plus ou moins. Voilà. Ah, ça va, ça a été quand même. Il n'y en a pas tout le long, heureusement. Enfin bon. Bien. Le départ. Et on arrive aux Arches. D'où le nom de Jouy aux Arches. Magnifique vue sur la Moselle. Voilà. Et nous allons découvrir sur la droite. Je fais mon guide touristique. Les fameuses arches majestueuses avec ce soleil rasant. Wouhou! Magnifique! Ah, qu'est-ce que c'est beau! Quand même, ça c'est de l'architecture, ça c'est de la construction. Parce que
C'était pas n'importe quoi, hein. Je sais plus combien il fait de kilomètres, il doit faire 2 km je crois l'aqueduc pour traverser complètement la Moselle. C'est quand même un sacré ouvrage qui a demandé une ingénierie quand même hallucinante, hein. Bah, vu l'époque, je veux dire, c'est quand même quelque chose de complètement hallucinant. Ouh! Un petit parcours de santé à droite. Ah! Et on va attaquer la montée. Alors la montée est pas cool, avec les roulements un peu grippés. Mais tant pis, hein, de toute façon pas le choix. Hein. Allez, on pousse. Et comme je dis toujours, poussez madame, poussez! Wouhou! Ah! Ah. Allez, ah, fin du béton, et comme dirait l'autre, laisse béton. Ah, je suis trop drôle, quel humour. Ah. Voilà, rendu. Voilà, il me reste à traverser le petit pont en pavé et je regagne de nouveau l'autre rive pour rentrer sur Metz. Ciao! Et spéciale dédicace à ma frangine. Salut frangine. Bon courage. Ciao, ciao!